tomorrow, so that really only leaves Thursday. I like talking a lot. And I think I like the contact with people, and people who come here want to contact. Everybody wants to know a little bit about who we are and why we're here, and then we get to know a little bit about them. And I think that really close feeling that they're in a family home, and they keep in touch, and then a lot of them come back. Très bien, on avait reçu une dame qu'on avait reconnue, mais on ne se rappelait plus qui c'était exactement. Mon mari croyait qu'elle était une amie, il a failli l'embrasser tellement il la connaissait. Mais en fait, il la connaissait bien depuis la télévision. Et puis, les filles étaient un peu fâchées parce que j'avais dit qu'elles n'avaient pas le droit d'aller demander l'autographe. Et pendant tout son séjour, elle n'a rien dit, mais elle était charmante. Et en partant, elle a signé par contre son nom dans le livre d'or en grand avec son nom d'actrice. Donc ça, c'était très sympathique. Dès que j'ouvre, hein. Très bien. Santé. Santé. Cheers. 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 Et vive le rugby. Vive le rugby. Vive le rugby. qui ont 3 ans, là, qui ont eu 3 ans cet été. Ça a marché. C'est donc, devant un bar à vin. Très très ancien bar. Non, pas tous les jours, c'est toujours en fonction de la marée, mais bon, on va sur les parcs. On va sur les parcs. Après il y a le triage, le couteau, le pouce en butée. Pas comme ça. Si ça glisse, tu plantes. Donc le pouce toujours en butée, hein, pour éviter de se blesser. Tu présentes la pointe du couteau. Voilà. Et un mouvement latéral de l'huître. Voilà. Voilà. Mm-hmm. On tient le couteau et l'huître vient sur la pointe du couteau. Et après, il cut ce muscle. Et voilà. Voilà. Après, tu vas essayer. Tiens. Il y a des serviettes, hein. Ouais. Voilà, tu vois, hein, ce que ça donne. Comme ça, au bout, là, comme ça plutôt. Voilà. Allez, on y va gentiment. Il faut piquer. L'huître qui bouge, pas le couteau. Le couteau, il ne bouge pas. Okay. Ouais. C'est l'huître qui vient. Alors, il faut bloquer ton bras ici. Voilà. Ouais. 4, 4, 4. Tup, tup. Non, comme ça. Yes! Bravo! C'est la première fois. Pour vous. C'est pour moi? C'est gentil. Très bien. Après le stage. Là, tu fais un stage avec moi.
How much do you reckon these houses are worth? How many million? Three? A bit more, I'd say five. Five, six. It's quite unreal because there's just this big contrast between, you know, the ocean and the forest and this dune that it's sort of like a desert in the middle of France. It's quite unreal. C'est majestueux, on ne s'imagine pas. On voit le phare de loin, on voit un phare. Hein. Et quand on arrive ici, on voit des sculptures, c'est un château. On découvre un château, on ne découvre pas un phare. C'était assez dur dans le temps parce qu'on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de radio comme actuellement. Moi j'étais tout jeune marié, ma femme n'était pas trop d'accord au début, bon après elle a compris que c'était ma vie, mais c'était quand même assez dur. Hein. Ici, en mer, on est déphasé avec le temps. On vit au rythme des marées.
Parce qu'on sait que marée basse, on peut sortir, se promener sur le plateau rocheux. Donc on vit plus aux heures des marées qu'à l'heure de la pendule. Finalement, fait l'union et unit les gens. Et ce n'est pas juste une boisson, ça va dépendre un peu des amis avec qui on est. Et la magie, ça va être la combinaison d'un produit qui aura vieilli, qui aura un certain âge, et puis de le partager avec ses amis et de se souvenir tous ensemble qu'on a eu quelque chose, un produit magique qui va marquer cet événement. Je pense que ce qui est spécial avec la table d'hôte par rapport à un repas dans un restaurant, c'est que les gens se retrouvent ensemble autour de la table et bon, les gens qui ne se connaissent pas forcément. On met tout en place, on fait un petit peu une mise en scène et après on voit un petit peu comment ça marche, c'est magique. Parce que bon, souvent on entend depuis la cuisine, il y a des gros fous rires, donc on sait très bien que ça a bien marché, que les gens sont contents ensemble. C'est rare qu'il y ait un silence et que personne ne parle. Just a few words about the wine. This is the rosé, it's called Cuvée Lulu, after our daughter Lucy. All our wines have got a name, and this is Lulu. Right. He'd have loved it. I mean, so this is why you're a professional. Thank you.
que les autres, mais bon, il y a quand même un petit peu de... Ouais, il y a... C'est bien 25. 9-1. Encore des papiers à traverser. Au départ, les pêcheurs ne savaient pas qu'avec les œufs, on pouvait faire du caviar et donner les œufs au canard, à manger au canard. Et puis cette princesse russe est venue dans la région et leur a dit, il ne faut surtout pas jeter les œufs au canard, et c'est bon, c'est très bon. Et elle a donné la recette pour faire le caviar en Gironde. Moi j'aime bien le goûter sur la main, voilà, comme ça. Ça, j'ai la température de mon corps qui va se diffuser dans le caviar. On va voir tous les arômes. Et ce qui est important, qui fait preuve de qualité d'un très très bon caviar, c'est la texture. Donc il faut que les billes de caviar elles roulent sur la langue. Et à la dégustation, il faut aussi qu'on ait cette fraîcheur, ce côté un peu noisette que j'aime beaucoup dans le primeur. Et surtout, la subtilité du sel. Il ne faut pas que ce soit trop salé pour qu'on arrive à saturation.